Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 4 chapitre 3. Alors avant de vous présenter ce glitch d'XP, je tiens juste à vous demander de vous connecter tous les jours sur cette map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour qu'on puisse débloquer l'XP de cette map et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitches d'XP. Donc merci à tous ceux qui s'y connectent tous les jours et le code de la map sera bien sûr en description, en commentaire épinglé. Alors le code du glitch d'aujourd'hui de cette vidéo, c'est le 1 5 2 5 3 2 7 7 3 7 4 7. Donc vous entrez ce code, le code sera aussi en description, en commentaire épinglé. Donc vous entrez ce code, vous sélectionnez la map, vous lancez la map en mode privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Et pendant que la map se charge, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite, entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le font, ce n'est pas obligatoire, mais ça soutient à fond la chaîne. Donc merci énormément à ceux qui le font. Alors n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines parce qu'il s'efface toutes les deux semaines. Alors par la même occasion, pendant que la map se charge, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Merci à tous. Alors quand vous êtes dans la map, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur option, vous allez dans le menu lancer le jeu. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes avant de réaliser le glitch. Donc si vous êtes pressé, vous pouvez faire le glitch directement normalement. Mais si vous n'êtes pas pressé, attendez 10 minutes pour réaliser le glitch. Comme ça, vous gagnerez beaucoup plus d'XP. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais attendre 10 minutes et on se retrouve juste après. Ok, donc là, j'ai attendu 10 minutes. Donc, ce que vous allez faire, regardez, c'est là, il y a le bouton code créateur. Là, il y a le mode spectateur. Et ce que vous allez faire, c'est aller à droite du mode spectateur. Vous allez construire deux rampes dans le coin, comme ceci. Une rampe, deux rampes. Ensuite, vous construisez deux plats sur la gauche. Hop, voilà, comme ceci. Et là, vous avez un bouton d'interaction. Vous interagissez avec le bouton. Donc là, on peut voir que je suis niveau 12 avec 13 000 XP. Hop, j'interagis avec le bouton et là, vous arrivez ici. Donc là, vous vous retournez et normalement, vous avez déjà des boutons. Ah non, c'est ici, vous rentrez dans la porte et là, vous avez des boutons. Donc normalement, il y a 9 boutons total. Donc, on va calculer. Donc, un bouton. Donc, dès que vous voyez un bouton interagir, vous spammez. Hein. Donc là, je spam, bam, 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 le premier bouton. Ensuite, sur la droite, il y en a un deuxième. Hop, on spam. Alors, un troisième, normalement, quelque part par ici. Voilà, un troisième ici. Ok, est-ce qu'on n'en a pas oublié un? Non. Ok, donc on vient par ici. Là, il y en a un quatrième. Spam. Ensuite, là, il y en a un cinquième. Normalement, là, il devrait y en avoir un autre, un sixième. Donc là, il m'en manque 9. Donc, je vais vérifier lesquels j'ai manqué. Ok, donc j'en ai manqué un qui était juste ici. Voilà, on le spam. Et j'en ai manqué un qui était juste là. Donc au total ça fait 8 boutons interaction normalement. Donc voilà. Alors je sais plus quand j'ai commencé, à quel niveau j'ai commencé. Donc je vais stopper la vidéo et je vais regarder. Ok, donc j'ai commencé quand j'étais niveau 12 avec 13 000 XP. Là je suis niveau 13 avec 48 000 XP. Donc le glitch ne m'a pas rapporté énormément. Mais voilà, j'ai quand même gagné une histoire de 80 000 XP. C'est plutôt pas mal. Donc une 60 000 XP, donc c'est plutôt pas mal pour un petit glitch. Donc voilà qui termine cette petite vidéo. Je pense que je vous ai tout dit. Ah non, j'ai oublié un truc. Regardez, quand vous allez réapparaître, vous allez dans menu options, réapparaître. Et là, vous allez voir qu'il y a un autre endroit où on peut gagner des XP. J'allais oublier de vous le présenter. Donc c'est ici, à côté gauche du mode spectateur, il y a un XP shop. Donc vous venez ici, vous interagissez avec le XP shop. Et là, regardez, normalement, si ça n'a pas changé, normalement ici, vous allez pouvoir gagner des XP même sans rien faire. Donc là, il y a 3, 4 box. Donc là, la box avec le personnage. Si maintenant vous mettez un élastique sur votre touche tirée, eh ben vous allez tirer en illimité et vous allez tuer le bot en illimité. Donc ça va vous faire des XP en illimité sans rien faire. Alors là, il y a une autre solution pour gagner des XP sans rien faire. C'est ici, vous avez un rebondisseur. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez une rampe. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous intervertissez la rampe. Voilà. Et ensuite, vous avancez comme ceci pour faire en sorte de toucher le rebondisseur. Alors, comme ceci. Voilà, là, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, vous appuyez sur option. Non, c'est pas option. Vous appuyez sur votre pad pour avoir une course automatique. Donc là, ça va marcher automatiquement. Et toutes les secondes, vous allez gagner 2 XP. C'est pas grand-chose. Donc, c'est mieux de le faire avec le bot. Mais là aussi, vous pouvez gagner des XP sans élastique, sans rien du tout. Juste en appuyant sur deux touches, enfin une touche. Et vous avez une course automatique. Et regardez en haut à droite, mes XP diminuent de 2 par 2 chaque seconde. Donc ça, c'était une autre solution.
Ici, vous avez un bouton que vous allez pouvoir actionner si vous avez attendu 10 minutes. Quand vous allez l'actionner, ça va vous donner un bonus XP. Donc, ça prend un petit peu de temps pour l'actionner. Donc, je pense que c'est 10-15 secondes. Ok, donc là, j'ai bientôt fini de l'actionner. Boum. Vous pouvez l'actionner qu'une seule fois. Et regardez, ça me donne 2000 XP. Là, normalement, il y a 3 serveurs. Les serveurs, si vous les cassez, vous donnent des XP aussi. Donc, collez-vous bien contre le serveur pour toucher le point faible à chaque fois. Et on va voir combien les serveurs vont me donner. Ok, donc là, j'ai bientôt fini de le détruire. Et celui-là me donne 2000 XP. Donc là, pareil, je casse le deuxième serveur. Ok, donc le deuxième serveur va me donner 2000 XP aussi. On va voir avec le troisième serveur. Ok, donc le troisième serveur me donne aussi 2000. Donc voilà, là, au total, j'ai pris plus ou moins 80 000 XP. Non. Ouais, là, j'ai gagné 10 000 XP supplémentaires. Mais bon, la meilleure astuce, c'est vraiment de tuer le bot en illimité. Ça vous donne 27 XP toutes les 5 secondes. Donc, c'est plutôt pas mal sans rien faire. Donc, c'est plutôt cool. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace!